On peut pratiquer le paddle à partir de 6 ans à condition de savoir nager. Le déroulement de type d'un cours, déjà on équipe les stagiaires avec des gilets de sauvetage, des brassières de sécurité. Ensuite, en général, on descend le matériel, on distribue les pagaies. Après, sur l'eau, on commence par un petit temps technique où on explique, on met en pratique l'équilibre et le maniement de la pagaie. Et ensuite, on met tout ça en pratique soit par une balade, soit par des jeux. Le matériel nécessaire pour la pratique du paddle, c'est un maillot de bain, éventuellement un shorty ou une combinaison si on est en eau froide, une casquette, des lunettes de soleil et des chaussures obligatoirement pour ne pas se faire mal aux pieds lors des mises à l'eau. Dans des clubs, on peut avoir une activité à l'année aux environs de 300 euros pour à peu près une demi-journée par semaine. Alors l'activité paddle apporte une bonne progression en termes de motricité, d'équilibre et de sensibilisation à l'environnement. A priori, il n'y aurait pas de contre-indication pour la pratique du paddle. C'est vraiment un support très polyvalent qui peut accueillir un très large public. Ici en France, on peut pratiquer le paddle toute l'année. Dans le sud de la France, avec un shorty pour l'hiver. Dans d'autres régions, peut-être avec une combinaison intégrale, mais a priori, c'est possible. Alors, on peut louer un paddle à peu près partout. Hein. Toutes les bases nautiques aujourd'hui en proposent. Les prix sont à peu près de 15 euros de l'heure. Si vous souhaitez faire du paddle à votre enfant, il faudra l'accompagner sur le club en général le week-end. Le club de proximité qui est pas très loin. Et si vous alliez sur des compétitions nationales ou régionales, là ça demande une implication supplémentaire pour aller sur les sites, pour se déplacer chaque week-end. Mais ça reste des moments inoubliables pour vos enfants. J'ai choisi ce sport parce que c'est un sport en équilibre sur l'eau et c'est très agréable quand il fait chaud parce qu'on peut se baigner aussi. Et j'ai aimé ce sport parce que on tient en équilibre et puis on pagaie comme au canoë.